Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. L'Afrique face à ses démons, l'Afrique face à ses rébellions, l'Afrique face à ses dictateurs. Alors, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement important pour la sous-région. L'Afrique centrale va-t-elle vers son embrasement et sa partition ? Alors, on va parler particulièrement aujourd'hui de la RCA. La RCA, nous avons des gens qui sont issus de ces pays. À ma droite, j'ai Jean-Pierre Marat, qui est l'animateur France du Conseil national de Centrafricains, coordonnateur du cercle de réflexion OASA. À ma gauche, nous avons Isabelle Chanel. Chanel, comme la marque connue, elle est une experte de la question centrafricaine. Elle est bien entendu dans Centrafrique, les défis. Le journal Centrafrique, les défis. Elle est journaliste professionnelle, je tiens à le préciser. On s'est rencontrés à Bangui dernièrement pour, bien sûr, le processus de pacification de ces pays. Alors, ma question se situe maintenant sur la pacification de ces pays. On a commencé avec ces massacres qu'on a vus, l'instrumentalisation des ethnies, avec cette histoire de Balaka, anti-Balaka, de Séléka. Et on se trouve avec le forum de Bangui. Alors, quel est le bilan aujourd'hui par rapport à ces pays qui veulent aller aux élections? Je dirais que vous allez un peu vite en besogne. Je rappellerai pour mémoire à vos téléspectateurs la chute de Bozizé qui s'est tenue le 24 mars 2013, qui était prévisible et que l'on pouvait voir venir déjà depuis les accords de Libreville. Il y a eu donc l'arrivée de Jojodia, l'installation de cette équipe fin mars 2013, jusqu'à l'arrivée de Samba Panza qui a été placé sur orbite par la communauté internationale, disons. Elle-même était à ce poste, bien qu'elle l'ait encore à ce jour, était à ce poste avec une feuille de route précise, c'est-à-dire organiser des élections avant le 15 février 2015. Malheureusement, elle et son équipe n'ont pas tenu cette feuille de route. Une première prolongation de la transition donc, a été signée par le médiateur international Sassou Nguesso. Cette prolongation devait s'achever au 17 août. Malheureusement, nous constatons que rien n'a été fait. Et en plus, je trouve quand même assez maladroit que l'ambassadeur de France ait déclaré en avril à Bangui, quoi qu'il arrive, les élections se tiendront avant la fin juin 2015. L'ensemble des médias, d'ailleurs, avait repris donc cette déclaration totalement officielle. Une prolongation vient d'être de nouveau signée jusqu'au 30 décembre. Et pour répondre à votre question, M. Bongos, je doute qu'il puisse y avoir des élections le 18 octobre. Car rien n'est prêt sur le terrain. À moins que certains acteurs au niveau international décident que, quoi qu'il arrive, de faire un simulacre d'élection, c'est-à-dire faire voter uniquement une partie de Bangui en installant une personne en particulier, ce qui peut être de l'ordre du possible. Vous évoquez les massacres. Les massacres ont débuté au moment de la chute de Bozizé. Vous évoquez le problème des anti-Balaka et des Séléka. Je n'ai jamais cru que c'était un problème de religion au niveau du Centrafrique. C'est simplement un problème d'intérêt. Faut-il savoir à qui profite cette situation? Et peut-être que cette situation a été voulue, tout simplement. Situation voulue. Quand on attend les discours, en fait, l'analyse de Mme Isabelle Chanel, on s'est dit, il y a la main étrangère derrière cette affaire, la France, pour ne pas les citer. Et vous, en tant qu'activiste, un homme qui est dans la réflexion avec OASA, quelle est l'opinion portez-vous par rapport à cette analyse de Mme Chanel? C'est une analyse que je partage entièrement. Je voudrais juste apporter une précision sur la feuille de route. Il y a un point important que
Isabelle a, pas volontairement, mais bon, ça, elle n'a pas mentionné, un aspect de la feuille de route de Mme Sama Panza, c'était de ramener la sécurité. Parce que sans sécurité, on ne peut pas organiser des élections. Bon, j'ai juste voulu apporter cette précision. Maintenant, sur les points qu'elle a évoqués, je crois que la presse a vite oublié qu'un officiel français, donc si c'est l'ambassadeur de France qui parle à Bangui, c'est la France qui parle. Et la France a promis qu'il y aurait des élections en juin. Et que si des élections n'ont pas lieu en juin, il y aurait d'autres mesures. Est-ce que c'est cette mesure-là qu'on nous sert sur la table en prolongeant? Donc ça me rappelle un peu la Côte d'Ivoire où Gbagbo prolongeait de façon illimitée sa présidence jusqu'à ce qu'arrive ce qui est arrivé. En tout cas, elle a raison de dire qu'il n'y aura pas d'élection. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y aura pas d'élection. Et n'importe quel enfant qui a été à l'école, qui sait calculer, peut aussi nous faire la preuve, enfin faire la démonstration qu'il ne peut pas avoir d'élection. Je suis un franco-centrafricain, je vis ici à Paris, généralement on vote à Paris, je n'ai pas été enregistré quelque part. Et nous sommes fin août. On nous parle d'élections que Mme Samba voudrait bien organiser le 18 octobre. Quand est-ce que les électeurs seront enregistrés? Quand est-ce qu'on aura le temps de vérifier la véracité de ces listes, cette liste électorale? Quand est-ce que les candidats pourront être connus pour qu'ils puissent faire campagne? En tout cas, il se passe quelque chose de très bizarre dans ce microcosmos et je pense que la meilleure solution que je recommanderais à des gens comme l'ambassadeur de France à Bangui, ce serait qu'on reprenne tout à zéro. Qu'on reprenne tout à zéro. Alors, on est en train de faire un peu la cartographie de la Centrafrique. Une fois et demie la France. Et on peut dire aujourd'hui, avec les 16 préfectures, on se pose des questions sur les 16 préfectures, 9 qui sont inaccessibles, avec des tensions terribles. Il y a des sélecas qui sont là-bas, qui se disent aujourd'hui, nous voulons aussi notre part de gâteau. Alors, à l'issue, bien entendu, de ces forums de Bangui, ils sont partis très en colère. Et vous croyez que... C'est une résolution, c'était vraiment une vraie résolution, ces forums de Bangui, pour pacifier la situation. Or, la situation n'est pas pacifiée, ça tire encore là, aujourd'hui. Alors, je rebondis également sur ce que M. Marat vient de dire. La feuille de route précisait effectivement la sécurisation du pays, ce qui correspond justement au DDR. Mais le DDR... Le DDR aussi, on se retrouve. Tout à fait, mais le DDR avait déjà été installé, initié, sous donc, le régime de Bozizé. Qui était en charge de ce DDR? C'était Jean-Jacques de Mafout, actuellement ministre conseiller et tout-puissant auprès de Catherine Samba, et l'ancien ministre d'État de Bozizé, c'est-à-dire Cyriaque Gonda. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucun désarmement. On nous ressort, pardonnez-moi l'expression, Monsieur Bongos, à la sauce DDR à nouveau, il y a un processus à mettre en place, etc. Mais à un moment donné, c'est une question de volonté. Si les hommes ou les femmes ont la volonté d'agir, automatiquement, ça suivra. Ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Mais au niveau de cette sécurisation, pour rebondir sur ce que venait de dire donc M. Marat, elle ne se fera pas en 6 mois ou en 1 année. Pour pacifier la RCA, c'est-à-dire le Centrafrique, il faut 5 à 7 ans. Le territoire est vaste, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde, on ne sait pas qui est qui. Et le problème... c'est que vous pouvez avoir à ce jour des partisans de Bozizé, mais qui sont également dans le jeu de Samba Panza, qui peuvent être dans le jeu de Zigele, qui peuvent être dans le jeu de différentes personnes, ou d'Amine éventuellement. Donc vous ne savez plus qui est qui par rapport à qui. Donc systématiquement, on marche sur des œufs. Et pour aller de l'avant, et je vais revenir sur votre forum de Bangui qui s'est tenu donc, tout récemment, le problème, c'est que si vous n'avez pas une connaissance réelle de l'histoire et de savoir, hormis les ethnies, qui est qui par rapport à qui et qui a fait quoi par rapport à tel événement, automatiquement vous partez dans un sable mouvant. Ça ne peut pas être autre chose. En ce qui concerne le forum de Bangui, il y a eu beaucoup de choses à dire à ce sujet. Il était programmé au mois de janvier, puis en février, puis en mars, puis en avril. À tort ou à raison, je ne sais pas, elle a décidé de reporter ce forum.
à titre personnel, quand je dis à titre personnel, c'est-à-dire au titre de la présidente, je pense que pour rester et se maintenir au pouvoir, elle avait intérêt à reporter ce forum. Mais en ce qui concerne le peuple, c'était une très mauvaise chose. Et le forum, tout le monde sait que c'est une grande messe où les gens ont été achetés, et ça, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Monsieur Mera, on voit à travers la cartographie du pays, on voit les influences qui viennent d'ailleurs avec le 5 frontières de la Centrafrique. On s'est dit, il y a les Soudans du Nord, il y a les Soudans du Sud, il y a le Cameroun, il y a la RDC. C'est quand même terrible cette influence. Et là, on a vu le Tchadien rentrer, les Soudanais rentrer. Comment peut-on faire pour brasser tout ce monde-là qui se disent aujourd'hui centrafricains? Vous allez répondre à cette question aussi également. Expliquer géostratégiquement, géopolitiquement, qu'est-ce qui se passe? Comment ces gens-là, le pays va vers son éclatement en définitive? Je crois que pour comprendre le problème centrafricain, je peux recommander ici un livre, un texte écrit pas par un centrafricain, mais par un Français, Patrice Gourdin. C'était en octobre 2013, qui recadre à peu près... qui n'est pas une référence non plus, d'ailleurs. Non, mais ça montre un peu ce qui se passe en RCA. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine est le résultat d'une incompréhension de toutes parts, c'est-à-dire des acteurs politiques centrafricains, mais aussi de ceux qui soutiennent ces acteurs politiques centrafricains. Mais je vais m'attarder sur un aspect précis. Vous avez évoqué la Séléka et les Antibalaka. En fait, nous devons dire aujourd'hui que ce qui se passe en RCA est le résultat de la mauvaise gestion, de la prédation politique. Comment est né le mouvement Antibalaka? Alors, si vous permettez, je vais prendre 5 minutes pour... 3 minutes, parce que qu'il aura le temps de parler. Il nous restera à peu près 12 minutes donc, pour faire aussi une conclusion par rapport à cette affaire de la Centrafrique. Voilà. Sans m'attarder sur l'instrumentalisation religieuse par les islamistes, le mouvement anti-Balaka est né du fait que la zone du nord de la RCA, où habitent principalement les Ronga et les Goula, toujours et de tout temps été marginalisé. Aujourd'hui, vous affectez un fonctionnaire centrafricain à Birao, c'est-à-dire le nord du pays. Tout à fait. Ce fonctionnaire prendra cette affectation comme une punition. Et donc, vous vous imaginez que ceux qui sont issus de cette région, qui ont subi cette marginalisation pendant des années, dès qu'il y a eu une occasion pour essayer de changer la situation, ils ont sauté dessus et malheureusement, il y a eu l'influence islamiste qui a amplifié la situation. Donc, les anti-Balaka, c'est le résultat de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, si nous voulons sortir de la problématique centrafricaine, il faut qu'on mette fin à la mauvaise gouvernance. Que fait Mme Samapanza? Une question, pardonnez-moi, vous allez continuer. Oui. Que fait Mme Samapanza? Une question. Birao, Nord-Soudan, Sud-Soudan. Il y a des familles qui sont... Voilà, il faudra nous expliquer. Oui, donc, parce qu'on ne peut pas renvoyer les gens qui sont en fait de la même famille de l'autre côté, et ils vont revenir. Les frontières sont assez poreuses. Le Birao et Wad Adjalé sont les grandes villes frontières de la RCA vers le Soudan du Nord. Voilà. Et à l'époque de l'événement que j'ai voulu expliquer tout à l'heure, les braconniers qui venaient du Soudan... Voilà. Ont eu une intercation avec cette population du nord de la RCA, c'est-à-dire les Ronga et les Goula. Et donc, il y a eu une répression du Soudan, et donc ce qui a entraîné des négociations entre les deux pays. Le Soudan a versé une compensation, il fallait construire des infrastructures dans la région du nord, donc Birao et Wad Adjalé, et le président qui fut chassé, c'est-à-dire Bozizé, oui, a utilisé cette compensation à d'autres fins. Et Dotodia, qui, pendant ces négociations, s'était retrouvé consul à Niala, donc vous comprendrez, Niala c'est au Soudan, vous comprendrez qu'il appartient à une société où vous trouvez des composantes au Soudan et des composantes en Centrafrique. C'est comme ça qu'est née la Séléka d'ailleurs. Et donc, là c'est le Nord-Soudan. Donc il y a...
il y a le fait que cette région est délaissée, et soit délaissée. Vous avez le Soudan qui est instrumentalisé, enfin la population est instrumentalisée, mais dans un autre contexte, le contexte de la LRA. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque le Soudan du Sud se battait pour se séparer du Soudan du Nord, géopolitique aidant, ben, le Soudan du Sud a eu le support de certains amis, dont les Américains. Et donc, vous avez la suite de la guerre du Soudan contre le Soudan du Sud contre le Soudan du Nord et les mouvements extrémistes chrétiens, LRA, de l'Ouganda, qui ont profité de la déstabilisation pour venir s'installer. Donc, le nord-est de la RCA, aussi déstabilisé, abandonné à elle-même. Donc, nous nous retrouvons dans une situation où, en fait, le pays est morcelé, on ne peut pas circuler. De fait. Voilà. On ne peut pas aller du sud au nord. Et donc, si on veut organiser des élections, il faut trouver un moyen. Et elle a raison de dire qu'au moins 4 à 7 ans, pour pacifier. Mais si on veut vraiment pacifier, si on veut restructurer l'armée, et je rappellerai aussi que l'histoire de l'armée centrafricaine est une histoire des armées africaines, c'est-à-dire des armées qui sont généralement à la solde du président en place. Donc l'armée centrafricaine a toujours été un corps de sécurité présidentielle. Présidentielle. Vous allez revenir par rapport à cela. On voit la FACA. La FACA est complètement démembré, on ne voit personne, c'est le MINUSCA, la force Sangaris, qui donne des ordres avec un État inexistant. Vous croyez à cette Centrafrique-là? Mais le problème, c'est que vous avez un nombre important de personnalités sur la place de Bangui qui disent, actuel ou ancien, je suis ministre d'État. Mais de quel État? Est-ce que, pour reprendre la célèbre expression de l'ancien Premier ministre Élie Dotté, y a-t-il encore un État en Centrafrique? Je ne le pense pas. Car qui dit État? Si vous êtes à la tête d'un État, est-ce que vous pouvez accepter qu'à l'instant où je parle, vous avez plus de 240 ONG sur le territoire? Ces plus de 240 ONG sur le territoire ne sont pas recensées. On ne sait pas ce qu'elles viennent faire. Alors certes, vous avez les grandes organisations qui sont connues de tout le monde, la Croix-Rouge, CARE et bien d'autres. Mais vous avez tout un tas de petites associations, de petites ONG. Il n'y a qu'un président et un secrétaire général, en quelque sorte, qui viennent faire leur propre business, sous couvert d'une ONG. Un État fort ne peut pas accepter et ne peut pas tolérer qu'il y ait plus de 240 ONG sur son propre territoire. Car avec ces 240 ONG, cela signifie tout simplement qu'une partie des aides internationales ne vont pas à l'État du Centrafrique, mais passent directement par ces pseudo-structures. Vous évoquiez tout à l'heure le problème des frontières, mais les frontières, pour moi, elles sont artificielles. Tout le monde se souvient que le Centrafrique, c'est l'ex-Oubangui-Chari. Le découpage est artificiel. Si demain on décide d'un autre découpage, personne ne peut l'interdire. Donc vous êtes en train de mettre en cause en fait le congrès entre guillemets de les traités de 1885 où on a établi des frontières pour que les gens puissent avoir un territoire, un territoire sacré gravé dans du marbre. Mais le territoire, pas besoin d'aller sur le continent africain. Regardez la modification des frontières en Europe. L'Empire austro-hongrois, ou la France. La France n'avait absolument pas donc les frontières que nous connaissons actuellement. Donc tout peut être modifié. Rien n'est fixé et rien n'est fixe, excusez-moi l'expression, donc du 1er au 31. Quand on voit ce qui se passe, vous parlez de la sécurité, vous parlez de la justice. Vous parlez tout à l'heure, un ministre d'État, c'est vraiment dire qu'il est ministre d'État. Quand un département régalien, comme le ministère de la Justice, est mis sur la place publique avec ce qui s'est passé à Bangui, avec l'histoire de Martin Béa, comment on peut résumer la justice centrafricaine? C'est inquiétant.
Mais alors, rappelez-nous cette histoire de Béat, afin que les amis téléspectateurs puissent le savoir. Bertin Béat n'aura jamais eu autant de publicité que depuis qu'il a connu donc, cette arrestation. Donc c'est bien pour lui, quelque part. Mais plus sérieusement, je dirais que, de tout temps, vous avez employé le terme dans l'introduction, il y a eu des dictateurs. Mais dans les pays en Afrique, on est obligé d'avoir des hommes forts à la tête, même si les institutions sont fortes. Mais le problème de la RCA, il y a une présidente qui est faible, qui s'affaiblit. Oui, Madame Samba Panza, c'est une dame qui est arrivée, qui a eu la chance d'être propulsée donc, à la présidence, et qui n'a pas su user habilement de sa position. La population... Est-elle nourrie à la mamelle française ? Ah ça, j'en sais strictement rien, il faut lui poser la question. Moi, je ne suis pas suffisamment proche de Madame Samba Panza pour savoir ce qu'elle pense et qui la nourrit, je n'en ai aucune idée. Simplement pour dire, au début, la population était favorable pour elle. Le problème, c'est qu'elle a nommé immédiatement donc, ses proches parents, toute sa petite tribu, les copains, les copines, etc. Ou les coquins, ou les bandits, peu importe l'expression. Vous êtes assez dur avec Madame Samba Panza. Non, mais c'est justement la pratique. Je ne suis pas dur, je suis réaliste. Moi, j'ai connu Madame Samba Panza lorsqu'elle était présidente de la délégation spéciale de la mairie, à la mairie de Bangui, ville de Bangui. Donc il y a très longtemps que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. J'ai vu le changement de personnalité. Alors certes, le pouvoir change, un homme ou une femme. C'est incontestable. Mais je pense qu'il y a eu des dérives qui n'auraient pas dû se produire. Exemple, juste à la fin du forum de Bangui, l'ancien ministre d'État Karim Mekasua va pour s'envoler sur Brazzaville. Arrestation, confiscation de son passeport, mise en garde à vue. Moi, j'ai aucun intérêt avec Karim Mekasua, mais qu'avait-il fait pour être arrêté de cette manière-là ? Ça aurait dû servir de leçon. Il y a quelques jours, le 15 août, jour de l'Assomption, rebelote, alors que Bertin Béat devait se rendre en France par la Royal Air Maroc pour venir aux obsèques d'un membre très proche de sa famille, arrestation à l'aéroport d'Mpoko, confiscation de son passeport. Qu'avait-il fait ? Le seul problème, c'est d'avoir déclaré « Bozizé est investi par le KNK ». Bozizé est un criminel, il y a un dossier lourd sur lui, il traîne des casseroles. Certes, mais il n'est pas le seul. Et en plus, qu'est-ce que ça pouvait faire ? Puisqu'il n'y aura pas d'élection le 18 octobre, alors on peut investir n'importe qui. Vous évoquez donc, vous évoquiez les élections. On évoque les arrestations ou la justice. Michel Amine, qui était, me semble-t-il, au mois d'avril à Bangui, a fait aussi l'objet d'une arrestation. Selon certaines sources, il aurait dû monnayer plus de 200 millions de francs CFA, donc sa libération, et officiellement, il n'a donné qu'un ou deux millions de francs CFA devant le tribunal. Où est la justice ? Lorsque l'on dit « l'ex-candidat Amine », j'ai aucun intérêt avec Amine, mais il n'y aura pas d'élection. Donc si les élections ont lieu en 2016 ou 2017, il a largement le temps d'être candidat. Alors vous rebondissez par rapport à cela. L'histoire de Béat, c'est quand même une illustration parfaite d'un état en déliquescence, d'une république bananière. Nous, au Conseil national des Centrafricains, nous avons condamné fermement cette arrestation, pas parce que nous sommes des sympathisants du KNK, mais c'est pour le principe de l'application de la loi. Et je suis entièrement d'accord avec elle. Cette présidente qui est arrivée par hasard, et qui avait toutes les chances, puisque tous les Centrafricains ont applaudi pour dire au moins, pour une fois, il y a une femme, nous allons repartir. Et voilà que madame a remis les mauvais démons. Tout ce qui a été les raisons des troubles chez nous, c'est ça qui est devenu la pratique de Madame Samba Panza, entourée par des acteurs qui se trouvent être des acteurs impliqués dans des situations qu'on a connues dans le passé. Donc, je n'ai pas besoin d'appuyer encore un peu plus. Madame Chanel dit exactement ce que pense la majorité des Centrafricains. C'est-à-dire, cette dame avait la chance, elle a joué avec la chance, elle est en train de jouer avec le peuple. Il faudrait qu'on mette fin à cette transition immédiatement et qu'on organise une troisième transition
Et la question qui se pose, c'est les gens sont en train de dire oui, mais c'est qui va être là-bas? Mais on a fait comment pour qu'elle soit là? Donc il y aurait aussi un autre Centrafricain pour nous, pour essayer de repartir à zéro. Les principes, vous allez répondre pour vous prendre la parole rapidement. Le principe, c'était de se mettre au pouvoir, de venir au pouvoir, de remplir ses poches et de partir vite fait avec cette histoire de l'Angola, les 10 millions d'Angola. Oui, en fait… Vous allez rebondir par rapport à cela. Ce que moi, comme acteur politique, je retiens de cette situation, de l'arrivée de Mme Samapane au pouvoir, c'est le manque d'esprit de bâtisseur qui règne parmi les acteurs politiques centrafricains. Quand Diotodia Dia et son premier ministre avaient été déposés à N'Djamena et qu'il était question de faire un choix pour les remplacer afin que la transition puisse continuer et ramener la paix, la plupart des partis politiques se sont lancés dans une démarche d'autodestruction de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont monté des simulacres pour que l'impossible président soit élu. Et donc, Mme Samapanza, qui n'était rien. Alors, vous n'avez pas parlé de l'histoire de 10 millions d'Angola. J'y arrive. Rapidement. J'y arrive. Oui. Donc, elle, qui n'avait pas un projet politique, est arrivée et sa première réaction, c'était, enfin, sa première action, c'était d'abord se mettre en rose alors que le pays était en deuil. Elle est souvent en Chanel, d'ailleurs. Bien habillée, oui. Alors qu'elle devait être en deux. Le jeu de mots, en Dior et Chanel. Je me rappelle que sa prestation de serment, elle a fait le signal de vainqueur. Mais comment on peut vaincre quelque chose alors que le peuple était en train de mourir? J'en arrive à 10 millions. Les 10 millions, c'est un aspect. Mais il y a eu beaucoup de détournements sous Samapanza. Et le problème, c'est qu'il y a... Vous parlez tout à l'heure de est-ce qu'elle est nourrie à la mamelle française? Non, je crois qu'il y a des hommes politiques français qui se trompent parce qu'ils se disent « Ah oui, elle était maire de Bangui », mais ils oublient que c'est Dotodia qui l'a nommée maire de Bangui. Ce n'était pas une personne élue. Elle n'a aucun passé politique. Donc nous sommes dans, vous excusez le terme, mais nous sommes dans la merde. Et eux, ils ont perdu la face et ils ne veulent pas qu'elle parte. Mais il faudrait bien qu'elle parte pour nous permettre de rebondir. Diotodia, il était en dehors de kilomètre 5. D'un coup, Bozizé, à la présidence, reçoit un coup de fil. J'ai dépassé le kilomètre 5, vous devez déposer. Qui l'a déposé là, Diotodia? Qui l'a déposé? C'est l'armée française qui l'a déposé, Diotodia. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas vous répondre à ce sujet. Mais je paraphraserai le geste que M. Marat a fait lorsque Catherine Samba-Panza a fait le V de la victoire. Il y a eu quelques jours les festivités, modestes et pour cause, puisque c'est un pays quand même en guerre, le 13 août dernier, jour de l'indépendance. Mme Samba-Panza a fait un discours en français, mais également en sango. La langue nationale. La langue nationale. Et j'ai la chance d'avoir quelques traducteurs donc à mes côtés régulièrement, et je me fais traduire intégralement le discours en sango. Et en sango, les termes sont beaucoup plus directs et sont beaucoup plus virulents que lorsqu'ils sont employés en langue française. Et elle a déclaré, et dans le sens africain et pas dans le sens occidental, elle a déclaré ce jour-là, « Quoi qu'il arrive, je suis là, la transition... » Donc, et de nouveau, donc, renouvelé jusqu'à la fin de l'année, et sachez que j'ai le sang dans les yeux. Et dire « j'ai le sang dans les yeux » lorsqu'on est en Afrique, ça veut dire « je peux voir des cadavres, ce n'est pas mon problème ». Ce n'est pas mon problème. Alors, il y a eu des révélations au niveau de notre confrère Jeune Afrique, où on parle achat du matériel d'écoute. Il veut écouter tout le monde ? Apparemment, tout le monde est écouté, puisqu'il y a des personnes qui refusent de me téléphoner en direct, tellement ils sont écoutés. Et moi-même, je suis obligé de passer par plusieurs personnes. La pratique des écoutes téléphoniques a toujours eu lieu en Centrafrique et ça n'a pas empêché les gens de partir. Donc moi, je n'ai pas peur quand j'appelle les gens qui disent « on vous écoute ». Je dis « mais on nous a toujours écoutés, pourtant ceux qui nous écoutent sont toujours partis ». C'est un problème minime. Il faudrait simplement que les Centrafricains se lèvent, en commençant par le CNT, puisque elle… Conseil national de la transition. Elle est le résultat des erreurs d'appréciation des membres du Conseil national de transition. Je termine en fait cette émission avec cette note
l'espoir. Il faut avoir l'espoir par rapport à ces pays. Il faut avoir aussi cette idée de préserver l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Donc, par définition, il faut aller vers la pacification de ces pays qui s'y est exempt. Aujourd'hui, quand on se promène en Centrafrique, des personnes à 70 ans, qui ont 70 ans, ont des kalachnikovs en bandoulière. Donc, on se demande où va la sécurité dans ces pays. C'est qu'on peut dire, les autorités du pays doivent faire de la sorte de céder ses pouvoirs et d'organiser des prochaines élections. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt.